Regarde bien de Tana Oban. Alors Tana Oban, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc c'est une photographe américaine qui révolutionne vraiment le genre de la littérature pour enfants puisqu'elle intègre les photographies dans son travail et dans son œuvre. Alors ici on est face à un album plutôt sous forme d'imagier et un petit peu de cherche-trouve puisque Tana Oban va travailler bien sûr toujours avec les fonds noirs. Elle va travailler sur les macrophotographies et les zooms de tout petits détails pour essayer d'attirer l'attention du lecteur sur ces petits détails de la vie, petits détails qui peuvent paraître insignifiants mais qui sont de véritables trésors par moment. Et donc on a ces découpes rondes dans le papier comme un zoom où l'enfant va devoir essayer de découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà la photo et la photo dans son ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un petit album jeu très ludique que les enfants apprécient en règle générale, et qui est un des grands classiques de la production de Tana Oban. Et donc ici, on est sur une édition de l'École des loisirs.